Bonjour. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo méditation permettant de contacter, de connecter vos trois plans, vos trois soleils intérieurs. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à entrer dans votre cœur et à écouter. Écoutez le rythme de votre cœur, cette force qui fait battre celui-ci. Pensez que chaque goutte de votre sang passe par ce cœur et reçoit l'information de votre âme. Entrez maintenant dans votre cœur. Dans le cœur de votre cœur, percevez une petite lumière blanche, comme un petit soleil. Puis approchez-vous de cette lumière. Plus vous approchez, plus elle grandit. Puis vous pénétrez à l'intérieur. Vous vous retrouvez maintenant dans une immensité, une blancheur immaculée. Vous êtes au sein du non manifesté, là où la création n'était pas encore finalisée. Là où est le point focal de tout l'univers. C'est à partir de ce point, dans votre cœur, que se dégage cette grande énergie de lumière. Par ce point, vous êtes en contact avec la source, avant même la manifestation. Percevez tout votre corps empli de lumière, contenu dans cette lumière. Maintenant, vous allez descendre votre conscience jusqu'à votre centre ara, vers votre nombril. Visualisez dans cet endroit un soleil. Un soleil de couleur blanc bleuté avec des particules d'or qui brille là, dans votre ventre, dans tout votre bas-ventre. Imaginez maintenant et ressentez que ce soleil est connecté avec l'intra-terre, le soleil qui demeure au cœur de la terre. Vous êtes en contact avec l'énergie de la mère divine, de l'énergie terrestre, de la Shakti, de cette énergie féminine. Sentez ce tube, ce lien de lumière entre votre centre Ara et le cœur de la terre. Et percevez maintenant qu'autour de la Terre se tient un treillis de pure lumière, comme si la Terre était contenue dans un vaisseau spatial de cristal, et que là sont interconnectées toutes les forces cristallines de l'intra-Terre, que ce soit les grammes de cristal, les cités intraterrestres. Vous êtes en contact avec ce plan par votre centre Ara. Vous pouvez maintenant demander à votre soi de nettoyer votre corps éthérique, ce corps vital, ce corps d'énergie, de toutes les scories cristallisantes qui ont généré des interférences dans votre être. Les tabous, les croyances, les rancunes, les remords, les regrets, les culpabilités, les rêves non réalisés, les désirs, les cogitations, les attaches sensorielles, tout ce qui est tabou relatif au corps, à la sexualité. Et sentez la lumière blanche libérer votre enfant intérieur de tous ces vieux schémas. Vous entrez maintenant dans les jardins de Maya. Maya, c'est l'anagramme de I am, je suis. Ressentez cet enfant intérieur. Cette jouissance aussi par tous vos sens, toucher, goût, odorat, ouïe, vue. La joie de vivre, la sensualité, la sexualité aussi. Ici, vous êtes dans le paradis terrestre.
C'est une pure jouissance. Appréciez les parfums, les odeurs, les senteurs aphrodisiaques, les fleurs. Tant que votre conscience est à ce niveau, vous pouvez vivre des relations sensuelles avec l'univers, sensuelles et aussi des relations sexuelles avec les êtres autour de vous, qui sont vos compléments. Tout ce qui est axé encore sur la jouissance purement sensorielle, sans aucun tabou. Il faut déjà vivre ces relations avec le monde, avec le corps, sans aucun tabou, sans aucune croyance, sans aucune souffrance. À cette étape, vous pouvez vivre dans vos relations via tous vos sens. Vivez cela, sans cogiter, sans analyser, sans fantasme. Le plaisir de ressentir l'osmose par la sexualité et de ressentir la vie par tous vos sens. Pour vous élever, vous devez déjà vivre ce plan sensoriel, totalement pur, innocent comme l'enfant. Ce peut être des relations passagères, uniquement basées sur la jouissance, mais cela est une étape. Votre double apparaît et il vous dit, il est temps de te délivrer de ces passions, de récupérer la quintessence de ce monde et de t'élever avant que toutes ces illusions te t'enivrent. Quittez ce paradis. Votre compagne ou votre compagnon vous offre un rubis. C'est un rubis rouge. C'est le rubis de Seth. Le serpent de Maya. Vous quittez ce lieu. Dans cette couleur rouge, orange, jaune, vous entendez une voix qui vous appelle au-delà. Préparez-vous maintenant à quitter les jardins de Maya. Sentez doucement l'énergie monter vers votre cœur. La lumière rouge devient orange. Puis vous êtes aspiré par une lumière jaune, or intense. Pénétrez en elle. Vous êtes maintenant au centre d'un désert. Il y a plein de sable couleur or. Au milieu de celui-ci, devant vous, se tient une immense rose, fermée. Desséchée. Elle a soif. Approchez. Alors, le diamant rouge s'éclaire et pulse. Il devient chaud, vibrant. Tendez la main. Il sort de ce rubis un rayon or lumineux qui touche un rocher proche de la fleur. Et une source en jaillit. Elle arrose tout le terrain. L'herbe se met à repousser, les fleurs et la fleur s'abreuve et elle s'ouvre. À l'intérieur se tient votre âme sœur. Toute la terre jouit de cette eau de vie. L'herbe, les arbres, vous êtes maintenant dans les jardins d'Éden. Et mettez l'intention maintenant que cette lumière nettoie votre cœur et votre corps émotionnel de toutes les scories mémorielles accumulées lors de vos vécus antérieurs. Et que tout votre corps astral soit nettoyé. Avec ce compagnon ou cette compagne d'âme, vous pouvez maintenant visiter des jardins magnifiques. Écoutez la musique des sphères.
la musique de votre âme. Voyez la danse des êtres de l'éther, la présence des devas. La fleur de votre cœur s'ouvre et vibre sous cette onde d'amour. Vous êtes en état de ravissement. Cette âme sœur est comme une jumelle d'âme. Vous la connaissez depuis longtemps. Vous avez vécu multiples expériences ensemble. Vous êtes en communication télépathique depuis toujours. Vous êtes ravis. Ressentez le mouvement des planètes. Désormais, vous n'éprouvez plus vivre que des relations d'amour touchant votre cœur et votre âme. Vous n'éprouvez plus vous contenter de relations physiques. À chaque rencontre, votre cœur-âme doit pulser de joie. Vous n'avez plus que des relations âme-sœur avec les autres. Vous ne rejetez pas ceux et celles qui se contentent de sensations physiques et sexuelles. Mais vous ne pouvez plus vivre cela. Car tout ce qui ne nourrit pas votre âme ne peut vous satisfaire. Vous ne pouvez vivre que des relations de couple qu'avec des âmes sœurs, avec des êtres en affinité, sur tous les plans. Votre conscience est centrée sur le cœur. Votre double apparaît à nouveau et vous appelle. Il est temps de quitter ce monde, d'en récupérer la quintessence. Autre chose t'attend plus haut. Votre âme sœur vous remet un diamant bleu. C'est celui d'Horus, le fils du soleil. Une voix vous appelle vers un autre ailleurs. Dans votre main, le diamant bleu émet un rayonnement qui crée un vortex. Le paysage de couleur vert, or, jaune, disparaît. Tout devient bleu, comme du plasma cristallin vibrant. Un vortex à 8 branches émane du diamant bleu que vous tenez en main. Vous êtes aspiré, transporté au cœur du monde cristallin, éclairé par un soleil bleu irradiant. Maintenant dans le monde cristallin. Devant vous se tient une pyramide de cristal. Une force irrésistible vous invite à y pénétrer. Devant vous se trouve un cristal au sein duquel se trouve votre jumeau ou votre jumelle solaire. Tendez la main. Votre diamant d'Horus émet un rayon qui dissout le cristal minéral. Ce jumeau ou cette jumelle en sortent. Vos yeux plongent dans les siens. Vous ressentez l'onde cristalline vibrer en vous. Vous êtes un avec votre flamme jumelle. Émettez maintenant l'intention que cette lumière nettoie la totalité de votre corps mental, jusqu'à ce qu'il devienne transparent comme le cristal, pur, fluide, et qu'aucun programme mental falsifié ne demeure. Cette lumière va réactiver en votre cerveau sa vibration, sa dimension cristalline qui vous met en contact avec la source et tous les mondes cristallins. Désormais, vos relations humaines seront établies par un contact direct avec les yeux. Par les yeux, vous entrerez en contact avec l'âme de ceux et celles qui viennent à vous.
Dans vos jeux amoureux avec vos partenaires, vous communiez par les yeux. En plongeant dedans, vous entrerez au cœur de l'univers. Vos trois centres, le hara, la tête et le cœur, sont unifiés. Dans les yeux de l'être aimé, vous voyez les étoiles, la Voie lactée, le soleil galactique Sirius, les Elohim. Vous pouvez maintenant voyager avec votre partie jumelle à la vitesse de la lumière, franchir des portes dimensionnelles. Entrez dans le cœur des archétypes. On vous remet un diamant blanc, transparent, le diamant d'Osiris. En vos mains, il brille de mille feux. Une lumière blanche vous envahit. Tout disparaît en celle-ci. Vous êtes en elle, elle est en vous. Vous ne pouvez désormais partager votre amour et votre sensualité qu'avec une personne unique, votre jumelle, votre jumeau. Cette partie peut être incarnée ou non, mais vous demeurez en contact télépathique avec elle, où que vous soyez, que vous la voyez ou non. Elle demeure dans votre futur où vous existez déjà, en tant que double archétypal, parfait. Double jumeau ou jumelle solaire. C'est depuis ce plan qu'elle vous appelle chaque jour et vous envoie les intuitions pour que vous la rejoigniez. Vos trois foyers de vie sont maintenant allumés, corps, âme et esprit, ne faisant qu'un. Centrez à nouveau votre attention sur votre cœur, sur votre corps. Ressentez cet enfant en votre bas-ventre s'animer, grandir, prendre tout votre corps, ressentez votre corps cristal, votre connexion avec l'intra-terre, le soleil, la Voie lactée, les Pléiades, l'Atlantide, les cités cristal. Toute l'histoire de l'humanité vous est révélée. Désormais, où que vous soyez, vous demeurerez toujours en connexion avec ces vibrations lumineuses provenant de l'autre côté de la magnétosphère. Il suffira d'entrer dans votre cœur, d'en émettre l'intention et de ressentir. Où que vous soyez, vous pourrez partager ces visions sans rien imposer. Plus rien de ce monde de souffrance ne vous touchera. Le contact télépathique avec tous ces êtres est permanent. Une intention du cœur suffit. Il suffit ensuite d'y porter attention et de ne plus donner foi à l'illusion intramatricielle. Tous les grands êtres, Horus, Osiris, Isis, Hathor, les Elohim, les grands maîtres, Thoth, tous sont omniprésents avec vous. Votre cœur est une pierre philosophale couleur or, transmutant toutes vos cellules. Votre corps émotionnel est nourri par l'élixir adamantin. Votre corps astral est pulsé par l'énergie libre et l'intelligence divine s'active dans toutes vos cellules via cette onde vibrale de l'éros, l'amour source. Vous avez demandé de nettoyer vos corps subtils, mais pour que votre soi actualise cela dans votre plan causal, vous allez subir dans votre vie quelques tests afin de faire vos preuves. Ce qui est lié dans ce monde ne peut être délié que par des actes et intentions conscientes. Aussi, si vous vous trouvez confronté à des situations résultant de ces vieux schémas, de ces vieux liens que vous avez demandez de libérer, il vous suffira de vous connecter à cette lumière du cœur
à ces trois soleils et d'affirmer par un acte ou par une parole l'intention de délier résultant de ce que vous avez demandé lors de ce voyage intérieur. Ainsi, par des actes de foi, vous délierez dans ce plan ce qui vous a lié. Et la communication avec les mondes cristallins et la source sera permanente. Plus aucune scorie, plus aucune mémoire, plus aucune illusion ne viendra interférer. Gardez votre conscience centrée sur votre cœur. Laissez-vous porter par le son. Prenez maintenant une profonde inspiration, puis une seconde et une troisième. Et puis doucement, ouvrez les yeux, bâillez, étendez vos bras, décrispez vos membres, remerciez et gardez cet état vibratoire. Où que vous soyez, vous pouvez reproduire cette méditation pour aboutir simplement à cette troisième phase qui est connexion cristalline. Soyez persuadé que vous êtes connecté et vous l'êtes.